Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous les bienfaits du beurre de karité pour la peau et principalement pour l'anti-âge. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai deux frères et deux sœurs et il y en a un qui a 2 ans de moins que moi. Donc il a 40 ans puisque j'ai 42 ans, même si je vais sur mes 43, mais enfin bref. Ce qu'il y a, c'est que je le vois pas très très souvent, peut-être 2-3 fois par an. Et puis là, je l'avais vu en période de l'hiver, donc à Noël. Et j'avais déjà remarqué, je m'étais déjà fait la réflexion que je trouvais qu'il avait une peau plutôt belle pour son âge. Alors je voyais bien qu'on n'avait pas la même peau, puisque moi j'ai vraiment une peau très sèche. Pour autant, je trouvais vraiment qu'il y avait, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Donc, entre deux, là, à Noël, je lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta peau ?» Parce que je trouve vraiment que ta peau est belle. Et figurez-vous qu'à ma plus grande surprise, il m'annonce très fièrement que oui, depuis plusieurs années, il prend soin de sa peau avec, je vous le donne en mille, du beurre de karité. Alors, je reste un peu pantoise, je me dis « Ah bon, d'accord, parce que moi, je connais très bien le beurre de karité, hein, vous vous en doutez. » Pour autant, moi, mon utilisation du beurre de karité, en général, elle s'arrête, si je puis dire, à l'utilisation du beurre de karité sur les zones très sèches de mon corps. Donc on va faire, voilà, ça va être les coudes, les pieds ou les genoux, etc. En tout cas, honnêtement, vu la texture quand même qui est assez, qui n'est pas extrêmement fluide, hein, vous en doutez, le beurre de karité, ça a un côté quand même assez, assez dur à l'utilisation, même si voilà, il faut le chauffer pour l'assouplir et le rendre plus agréable à l'utilisation. Bon, c'était pas quelque chose que naturellement je mettais sur mon visage, à la rigueur sur mes lèvres quand elles sont gercées, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. Donc ça n'empêche pas que je sais combien le beurre de karité est extrêmement intéressant sur les zones sèches et vraiment très 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 efficace. Il a même un côté cicatrisant, etc. On va revenir dessus. Mais quand même, ça m'interpelle et je me dis, mais c'est incroyable ça quand même. Et il me dit clairement qu'il fait ça depuis des années. Bon, et là je me dis, bah, c'est logique, il faut vraiment que je le fasse en fait. Il faut que je m'y mette moi aussi, en tout cas que je teste, c'est évident. Et voir comment je me ressens, comment je sens ma peau à ce niveau-là. Est-ce que vraiment elle me tire moins? Est-ce qu'elle est plus confortable, etc.? Est-ce qu'elle est plus belle? Et moi, en plus de quoi, j'ai la chance de connaître une adresse, comme on dit entre guillemets, parce que honnêtement, trouver du bon beurre de karité, c'est très difficile. D'avoir un bon beurre de karité pour qu'il ait vraiment toute le panel de ses vertus qu'on lui attribue, honnêtement, il faut d'abord qu'il soit le plus brut possible et surtout pas traité, pas raffiné. Donc la plupart des beurres qu'on trouve en vente, même bio, sont blancs, de couleur blanche. Vous allez voir, le mien est de couleur jaune, ça n'a rien à voir. Et là, on parle vraiment d'un beurre de karité de très grande qualité. Donc ma fameuse adresse secrète, qui ne sera plus secrète puisque je vais évidemment vous en reparler, eh bien, me suis depuis plusieurs années. Pour autant, comme je vous disais, moi je n'utilisais pas du tout entre guillemets soins de peau du visage, anti-âge, parce que aussi j'avais cette idée que c'était peut-être trop gras, trop comédogène, enfin bon. Donc tout ça pour vous dire que je m'y suis mise, hein, vous en doutez. En plus de quoi, le beurre de karité a une odeur, hein, très forte quand il est pur et brut, qui n'est pas non plus extrêmement, comment dire, très, très féminine, très, notamment très agréable. Ça reste vraiment quelque chose d'assez brut, hein, c'est le cas de le dire. Donc, bon, on l'utilise pas, enfin moi je n'utilisais pas non plus toujours avec un plaisir voilà, extraordinaire. Pour autant, l'adresse chez qui je le prends propose des beurres de karité avec quelques ajouts d'huile essentielle pour donner une petite odeur, une petite, rajouter un plaisir à l'utilisation qui est vraiment très agréable. Et voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'est refaire un point quand même sur ses bienfaits et son utilisation en anti-âge, et puis vous parler du mien, de celui que j'utilise, de celui que j'apprécie vraiment,
et vous fait un retour là-dessus. Donc les bienfaits du beurre de karité, il est reconnu excellent hydratant donc pour la peau et il aide à retenir l'humidité. Il contient des composés anti-inflammatoires naturels qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à calmer les irritations cutanées. Les acides gras présents dans le beurre de karité aident à stimuler la régénération cellulaire, ce qui peut aider à améliorer l'apparence de la peau et à réduire l'apparence des cicatrices et des vergetures. C'est un produit naturel qui peut aussi servir de protection solaire avec un petit facteur de protection solaire d'environ 6. Donc évidemment, comme je vous le disais, il faut le choisir 100% naturel et non raffiné, parce que c'est uniquement ainsi qu'il conserve tous les nutriments bénéfiques qui vont avoir un intérêt pour notre peau. À l'utilisation, il est vraiment épais et difficile à étaler, je vais vous le remontrer, surtout s'il est non raffiné, comme je vous le disais, et en fait, il va falloir vraiment essayer de le faire fondre avec la chaleur, avec notre chaleur corporelle, entre nos mains, avant de l'appliquer sur la peau. Donc pourquoi je vous en parle aussi en anti-âge, c'est qu'il contient des acides gras essentiels, des vitamines A et E, ainsi que des antioxydants naturels qui peuvent aider à réduire l'apparence des rides et des ridules, améliorer l'élasticité de la peau et stimuler la production de collagène. Les acides gras essentiels qu'il contient sont particulièrement importants pour maintenir une peau saine et jeune. Il aide à nourrir la peau en profondeur, renforce la barrière cutanée et protège la peau contre les agressions extérieures telles que la pollution et les rayons UV. Les vitamines A et E sont également bénéfiques pour la peau car elles aident à protéger contre les dommages des radicaux libres et améliorent la régénération cellulaire. Les antioxydants naturels présents dans le beurre de karité, tels que les polyphénols, peuvent également aider à réduire l'inflammation et protéger la peau contre les signes du vieillissement. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, ce beurre de karité. Je suis très reconnaissante à mon frère, finalement, de m'avoir donné un petit peu son secret anti-âge. C'est assez drôle, finalement, d'imaginer que c'est lui qui va me donner des conseils. Et voilà, et donc je voulais vous reparler de mon beurre 100% karité sauvage. Alors, quelle est mon adresse? Eh bien, c'est Pureté Paris, Pureté Karité. C'est karité.com, en fait, tout simplement. Et le mien, je le prends à la lavande. Donc là, je viens de refaire le stock de 250 ml. Donc ça dure très longtemps. Hein. Enfin moi, c'est vraiment très économique. Il en faut vraiment très peu à l'utilisation pour la peau du visage. Et vous voyez, il est vraiment solide, hein, évidemment, vous le comprenez, c'est un beurre solide. Et donc le but c'est vraiment, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans parce qu'il faut quand même avoir les doigts propres hein, quand vous mettez vos mains dans ce type de peau. Et là je viens de caresser mon chien qui est juste là sur le lit à côté, donc bon je vais pas faire n'importe quoi. Même si pour la vidéo ça aurait été plus sympa, mais vraiment, alors moi en plus il y a cette petite fragrance de lavande, il y a plusieurs fragrances sur le site, cette petite fragrance de lavande que j'adore et qui me permet de voilà d'avoir ce côté plaisir, de garder le côté plaisir à l'utilisation. Moi j'utilise donc le matin, donc sur une peau préalablement nettoyée et humide, donc avec de l'eau florale. Alors pour ma part c'est de rose, je suis une inconditionnelle de l'eau de rose. Et vraiment, alors par contre, faut vraiment bien le chauffer, pas besoin d'une grande quantité, vous l'avez compris, mais il faut vraiment, vraiment bien le chauffer pour l'utiliser et pour l'appliquer. Même si, malgré tout, encore quand je l'applique, il reste quand même, on n'est pas du tout sur quelque chose de crémeux et de fluide à 100%. Donc ça demande un petit peu de travail encore au niveau de la peau. Pour autant, c'est vraiment, ça fait une peau de velours, c'est incroyable, vraiment. Alors par contre, aussi intéressant, donc moi j'ai la peau sèche, hein, je le redis, j'ai la peau sèche. Par contre, j'ai la zone plutôt T, plutôt grasse, donc je suis un peu peau mixte, mais principalement quand même beaucoup peau sèche. Et j'ai remarqué que moi, quand j'en mets sur mon nez, j'en ai pas besoin en fait, sur mon nez, j'en ai pas besoin. Donc j'en mets vraiment sur toute cette zone sèche et j'en mets sur le front aussi, même si c'est pas autant aussi sec que mes joues et mon bas du visage. J'en mets quand même sur le front, mais le nez, non, j'en mets pas spécifiquement.
En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous partager d'abord cette info parce que c'est vrai que le beurre de karité, il a une certaine image, une certaine utilisation conventionnelle. Comme je vous dis, ça peut être les zones du corps très sèches, les cheveux par exemple aussi. C'est très apprécié à ce niveau-là. Pour autant, l'utilisation en anti-âge est un peu moins mise en avant, un peu moins connue. Et ça vaut vraiment la peine de s'y attarder, vraiment. Et puis si vous cherchez, encore une fois, une marque de beurre de karité sauvage de qualité, ce n'est pas facile du tout à trouver. Eh bien, par chance, vous suivez Sirène Bio et donc vous pouvez savoir que sur le site karité.com ou Pureté Paris, enfin c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et eh bien vous allez voir, vous allez trouver un beurre de karité qui est incomparable. Vraiment, de toute façon, il n'y a qu'à voir sa couleur, sa texture, tout y est. Voilà, ben, j'espère en tout cas que vous allez bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt.